Conférences, ateliers et animations de stands pour permettre aux populations de distinguer les produits authentiques des contrefaits. C'est l'objectif de la première édition du Salon international de l'originalité et de la propriété intellectuelle d'Abidjan. Les organisateurs affichent alors leur engagement à lutter contre la contrefaçon et la piraterie des œuvres de l'esprit. Le phénomène de la contrefaçon et du piratage sévit. Ce phénomène sévit chez nous, ailleurs déjà, mais chez nous également. Donc c'est un enjeu crucial pour les États, c'est un enjeu crucial pour l'État de Côte d'Ivoire aussi. Parce qu'un État dans lequel la protection des créateurs n'est pas suffisamment assurée, eh bien c'est un État qui se condamne à plomber son économie, son activité culturelle, sociale, son développement. Selon un rapport de l'industrie du textile en Côte d'Ivoire, le phénomène de la contrefaçon fait perdre à l'État plus de 20 milliards de francs CFA par an. Ce salon vient appuyer les efforts du gouvernement dans la lutte contre ce phénomène. Plus d'une dizaine d'entreprises y sont attendues.